Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Pareil. Oui. Je vous dis. Et je viens juste de voir que mon micro n'était pas activé pour le chat. Donc bonsoir le chat, excusez-moi. Yes. Yes. Donc Voilà, ce que je disais, on va tous très bien, c'est génial, l'OMDR. Et que Ulor avait trouvé du matériel pour pouvoir refaire des sessions de ref hunting. Donc, ça va être sympa. Merci GetGet pour les réseaux, c'est super. Et toi, comment vas-tu, Nance? Oui, donc, bah, moi je vais bien, on est en retard, c'est un peu de ma faute. J'ai été un peu pris de problèmes aigus de retardite. Mais voilà quoi, on est là, c'est le principal. Donc on va pouvoir continuer notre boulot. Ça va être sympa. Sur une petite musique de Divinity 2 Original Sins, pour ceux qui y reconnaîtront. Normalement qui est libre de droit, j'espère. Enfin, normalement je pense que c'est libre de droit vu les rediffs qui font pas caca pour d'autres streamers. Et vu que les règles normalement sont censées être les mêmes pour tout le monde, j'espère qu'on n'aura pas de problème comme la dernière fois. Mais enfin bon. Du coup, qu'allons-nous faire aujourd'hui, messieurs? Nous, normalement, on doit faire le contrôle des menus en fait. D'accord. Pour pouvoir switcher d'un menu à l'autre. Bon, on n'a actuellement qu'un seul menu, mais c'est pas grave. D'accord. Tiens, je vais. Parce que la dernière fois, quelqu'un m'avait fait la réflexion que ce que je montrais en fait n'était pas si, on va dire, indispensable, surtout quand vous faites du code. Du coup, ils voyaient moins bien que le code, donc c'est un peu chiant. Donc, je vais réduire un vite fait la Du petite coup, barre. tu vois ce que tu as là, on le voit pas du tout. Oui, après, bon, si jamais on devait voir vraiment on aurait un problème d'écran après, donc c'est. Bah, typiquement, tu vois, genre là, la fenêtre de texte, du coup, elle sert à rien. Ouais, typiquement, ouais. Malheureusement. Mais Elle est tellement petite que c'est illisible. ouais, mais c'est aussi pour montrer un peu que bon, voilà, il y a quand même un texte qui est en train de se faire en même temps, tu vois, donc. Ça bouge de temps en temps. Oui, ça bouge de temps en temps. Comme ça, du coup, ça. Voilà. Après, on verra, hein, il y a encore des ajustements à faire de toute façon. Donc du Oui. coup, pardon, donc du coup j'ai complètement oublié ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire du coup, excusez-moi? On va faire ce qu'on a appelé le menu flow contrôleur. D'accord. C'est lui qui sera responsable de changer les fenêtres du jeu. D'accord, très bien. Et de quitter le jeu. Donc là, juste avec que l'écran d'accueil, ce sera surtout pour pouvoir quitter le jeu, quoi. Fermer le jeu en appuyant sur Le le bouton bouton quitter. quitter. Très bien. Inch'Allah, si on a le temps. On fera les inputs souris, donc on pourra cliquer sur les textes. Ça, j'y crois Je crois pas. Ok, ce sera pour cette fois ou la prochaine. pas. Bon, bah écoutez, on espère tous qu'il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, j'ai vu, GatGat, que tu avais annoncé qu'il y avait eu des petites mises à jour là sur le programme, en effet. C'est ça? Oui, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, ça. On a mis à jour la semaine dernière. D'accord. Et qu'est-ce que ça a apporté concrètement, en fait, ces ajouts? Bah grosso modo, c'était surtout de l'uniformisation de code en fait. Et je vais relire un peu ce que j'avais mis comme. Je sais plus de quoi il était question. C'est ça. C'était peut-être lié aux inputs souris aussi, des réflectos ou des trucs comme ça. Ouais. Ah oui, il y avait aussi, on utilisait. Alors, pour tout ce qui était des vecteurs, donc des coordonnées en fait en deux dimensions, trois dimensions, quatre dimensions. On se basait sur une lib externe et là on a fait une surcouche qui était un peu plus propre. Et oui, effectivement, on a quelques changements dans la gestion de la fenêtre et des inputs. Donc qui permettent de gérer les inputs souris, notamment. C'est intéressant tout ça. Et l'avancement en fait de ce programme, t'en es fier pour le moment ou comment, c'est quoi tes ressentis par rapport à ça? Bah. Ça avance doucement mais sûrement. On avance assez régulièrement. Après, c'est pas très vite vu que c'est que sur du temps perso, Tu es plutôt mais content?
Mais oui, globalement, ouais, je suis content du travail qui est produit par tout le monde. Stylé. Et Uolor, toujours aussi satisfait du programme? Oh bah moi pour le moment ça tourne, ouais. Ouais, stylé. Nice, nice, nice. Bon, bientôt parfait. On pourra faire du vrai rendu de texte. D'accord. J'annonce. C'est du debug là. Ouais. Impressionnant. Bon bah très bien. Moi du coup, ce qui va se passer pour ma part aujourd'hui, je vais rajouter. Alors j'ai rajouté 3 idées de boss qu'il faudra développer après, après match, hein, c'est-à-dire quand on aura réussi un petit peu à équilibrer le tout, que les combats soient pas trop soporifiques, qu'il y ait un intérêt, et quand on aura fait un peu une économie, enfin quand j'aurai peut-être pensé un peu à une économie. Alors moi dans l'idéal, si je dois annoncer un but, ce serait... alors attends que je vérifie une chose. Ouais, avant le 16 août, donc c'est-à-dire à peu près dans 13 jours, enfin moins du coup, j'aimerais bien au moins proposer un espèce de simulation en fait de quelques tours, tu vois, où genre tu pioches une carte aléatoire ou quoi, histoire que ce soit prêt, histoire qu'on voit si jamais déjà un crash test des combats et tout ça en fait. Moi ce serait ça mon but à court terme maintenant là, par rapport au projet. Est-ce que cela vous semble réalisable? Est-ce que j'ai dit une grosse bêtise? Bah moi ça m'impacte pas, donc c'est toi qui sais. Bon après, vous pouvez avoir vos ressentis là sur la chose, hein. Genre ouais non peut-être pas, c'est trop tôt, ou peut-être non justement, il fallait le faire peut-être un peu avant, c'est mon vieux tard que jamais, tu vois, des trucs comme ça. Enfin bon. On te fait confiance. Ok, ça, il faut pas rien de choquant. Il faut pas me faire confiance, tu le sais pourtant. C'est vrai. Énorme erreur. Erreur du débutant. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Donc pour l'instant j'ai fait des boss à thème, hein, de par rapport au Stromon qu'il y avait déjà. Hop. Alors, du coup, il faut que je fasse, oui, c'est par ça qu'il faut que je commence. Paf, 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 gobelin orc, cultiste. On va faire un premier. Il y aura un truc intéressant peut-être à faire un jour, c'est que on valide à peu près les monstres ou les héros qu'on va garder. Genre si faut retravailler certains concepts de héros ou quoi. Peut-être faut les avoir tous en face aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, actuellement, la manière dont c'est décrit, c'est super difficile pour savoir lequel tu gardes. Tu vois. Ouais, c'est ça. Tu peux pas les confronter un à un, des trucs comme ça. Après, il y a une liste que j'ai. Si je suis super gadget. Ça, il faut que je prenne ça. J'avais une idée, mais je l'ai perdu. J'avais fait Clarence déjà? Une fois que tu instancies le flux contrôleur avec le container de base. Ouais, en fait le truc c'est que ici il faudrait que je fasse un menu flow contrôleur
Avec du coup, il y aurait juste besoin de l'allocator normalement, je crois. Si je dis pas de conneries. Et le, je crois qu'il y avait le route compte. C'est allocator en premier et le route compte. Ça. En ref par contre, je crois. Ah, il est en ref. Que dingue. Parce que si t'en as pas, c'est un peu. Biaisé. Tu m'as dit qu'il y avait des unsure ou des trucs comme ça, des assertes. Assertes, ouais. Assertes avec une majuscule. C'est ça. Et assertes, ouais. Mais vas-y, si tu peux rajouter du texte quand ça échoue. Et on est d'accord que ça fait crasher le programme. Non, je crois, je sais plus. Oui, ça va faire crasher le programme, sauf en release où ça va continuer quoi. En release, les assertes font rien. Donc t'as pas de mot de container, c'est un peu mort, je crois. Je crois que j'en ai déjà en vrai, mais. C'est pas dans ce fichier là où j'en avais déjà. Sans, tu m'as déjà demandé donc t'as dû en mettre par. C'est quoi du coup? C'est dialect c'est ça. Yes. Il est fort. Donc assert.h. PPP. Exactly. Et par contre, il faut tuer des références dans le constructeur derrière. Ouais. Bon, au moins maintenant on sait que. On sait qu'on a le droit de des références. Mais non. Si. Et si. Non, pardon. C'est incroyable, mais c'est comme ça que ça marche. Mais le truc qui me posait problème, c'était. Limit et l'update. Genre, comment je vais mettre des menus dans le container. En fait, moi, je pense que. En fait, tu vois, il y a le loader qui est fait plutôt ici, tu vois. Genre, ici, on a déjà le menu qui est loadé. Du coup, ça voudrait dire qu'en fait, le loading, ce serait la responsabilité du flow controller. Non, je pense pas. Il faut que tu fasses un loading et après, tu envoies tout au flow controller. Et en fait, dans le flow controller, il faut à la limite que tu aies un tableau de composants que tu mets dans ton... Ouais, ça dépend après si tu veux charger tous les menus d'un coup. Ou alors juste charger les descripteurs et les instancier quand tu changes d'écran. Peut-être faire la deuxième étape, ce serait plus. Donc ouais, faut que t'aies un tableau de descripteur avec une enum. Quand on change d'écran, le loading il est de la responsabilité du flow controller en principe. Ouais. Parce qu'il y a que lui qui sait qu'on change d'écran. En fait, il y a deux phases de loading. Il y a une première phase qui est parser le MDF et tout, juste sortir les descripteurs. Et après, t'as une phase qui est parser le descripteur et l'instanciation. Ouais. Et la première partie, du coup, c'est pas le flow controller. Et la deuxième, ouais. On a vraiment des objets différents entre le descripteur et l'instance. C'est ça. Donc il faudrait que quand tu crées, en fait, t'aies déjà tous les descripteurs. Et du coup, tu l'envoies les descripteurs dans un tableau, peut-être avec une enum qui dit cet écran c'est ce truc là, cet écran c'est ce descripteur. Et après, tu pourrais lui dire go to screen ou un truc comme ça, et en mettant la valeur d'enum et lui fait le switch. Plus maintenant, on peut faire des enum classes. Et oui. Faut lui donner forcément une. Tu mets quoi comme C++ dans la vie, toi? Non, mais je dis maintenant, mais. C'est vieux, c'est CPP11, je crois, les autres. Ouais, je crois, ouais. Mais c'est juste que, ouais, t'as beaucoup de code legacy où, du coup, bah, les une classe, il y en a pas. Et je crois que, typiquement, sur Unreal, tu sais, t'as les. Des pseudo-décorateurs, en fait, pour les classes et les properties et compagnie. Et t'en as sur les énumes, mais c'est pas supporté sur les énumes classes, je crois. Il y a un bail comme ça où en gros les énumes classes, bah, tu peux les utiliser en full CPP, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu vas vouloir les exposer en éditeur, c'est un peu plus tricky. Si je dis pas de conneries. Et du coup, t'es obligé de lui donner une taille? Non, pas forcément. Non, t'es pas obligé. Je pense du que coup, par, défaut, quoi, comme par défaut. Je sais pas si c'est, c'est un U32 ou s'il prend le plus petit possible. Ça doit dépendre du compilo, je pense. Je pense pas que ça soit écrit dans le. Ça soit standard. Pas standard, ouais. Oh, c'est chiant. Comment je pourrais appeler cette. Il y a une nomenclature pour les énumes, genre E. Le nom ou. C'est un type que on fait en stack case. Pascal case, pardon. Ouais, il n'y a pas de. De dire ça comme des types. Devant pour dire c'est une énume ou quoi que ce soit. Un organe particulier. C'est du status. Pas vraiment un statut en fait.
aurait quoi, main? Ouais. Un main. Peut-être mettre un count à la fin, ça peut être pratique. Un quoi? Un count. Ouais, un... Max ou blast ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas si vous utilisez un truc particulier. Non, on n'a pas de normes là-dessus. Les ennemis, c'est toujours très chiant, c'est plus plus simple. Bah, ouais, tout le monde a un peu sa manière de faire. C'est pas très agréable à manipuler, je trouve. Ouais, mais en fait, elles sont pas assez permissives. Tu vois, le fait est que quand tu dois genre aller taper dans des arrêts ou n'importe quoi avec une anime, t'es toujours obligé de caster, c'est super chiant. C'est ça. Tiens, tu vois, c'est but un peu, quoi. Enfin... T'as pas de truc automatique qui te sort le nombre d'éléments ou les strings qui correspondent, tu vois. Ouais, les strings correspondantes, ça c'est bien chiant aussi, putain. C'est ouf, en fait, mais les énumes, en vrai, c'est vraiment genre du code Legacy de 99, quoi. Ouais, parce que ce qui empêche de faire plein de trucs, c'est que c'est des valeurs que tu peux définir toi-même, en fait. Et tu peux être un peu n'importe quoi, donc tu vas avoir plusieurs valeurs qui ont la même... Enfin, plusieurs énumes qui ont la même valeur derrière. Du coup, tu peux faire la conversion en string, c'est compliqué. Pareil, pour dire combien il y en a, ça peut être compliqué. Dès qu'il n'y a pas d'introspection, ça aide pas non plus. Voilà. Ouais, du coup. Non, c'est pas all, c'est max. All, c'est quand c'est des bytes. Ouais, parce que si après t'as les énumes flags qui sont. Et aussi galère à manipuler. Mais qui sont tout aussi nuls à manipuler, c'est ça qui est chiant, quoi. Bah après c'est pareil, c'est pas restrictif sur le team, donc Bah ouais, du coup on va quand même préciser ça, c'est le 0, histoire qu'il fasse pas n'importe quoi. Là, pour le coup je crois que c'est standard que si tu mets rien ça commence en 0, mais C'est sûr que c'est standard, je sais pas comment. À peu près. Parce que je crois que... en fait même pas, parce que tu peux définir une énume avec 5 valeurs et dire que la troisième c'est 0. Oui, mais si tu définis rien, je crois que... Ouais, si tu définis rien, il part du principe que la première c'est 0 et ensuite, peut-être. D'une certaine manière, j'espère. D'une autre, j'ai toujours un peu envie de forcer le truc, tu vois. Pour cas où. Que c'est le 0, donc j'ai pas trop confiance. Ouais, c'est bien ça. Si le premier énumérateur n'a pas d'initialiseur, c'est 0. J'essaie de chercher quelqu'un sur ce CoverFlow qui citait le standard, mais... Ouais, je suis sûr que c'est PPRF, là. C'est... Ok. C'est pas le standard, mais ils sont quand même assez descriptifs. Par contre, normalement... Du coup, j'imagine que si après t'as un 0, il te fait bah non, du coup c'est plus ça la valeur. Donc, je sais pas comment il fait, tu vois. Il fait quoi, je crois qu'à partir du moment que t'as une valeur, il fait des incréments, décréments de 1. Tu vois, là ils ont une énume, genre c'est A, B, C égale 0, D égale A plus 2. Ah bah non, mais putain. Mais dans ce cas, ça du coup, en fait, A vaut 0 et C vaut 0. Ouais, c'est ça. Et B sera à moins 1. Non, il voit, parce qu'il est après A. A, B, C, et A vaut 0, C vaut 0, et B vaut 1, et D vaut 2. Putain, n'importe quoi. Du coup, ça veut dire que dans une même énume, tu peux avoir plusieurs énumérateurs qui ont la même énume. Ouais, ça, ouais, c'est sûr. C'est pas fou, ça. Si t'as un meilleur nom que Menupad, je prends parce que j'ai... On n'a pas inclus de truc pour le type, c'est un peu chiant de prendre un truc pour juste mettre une unsigned 8. Ouais, c'est pas obligé ça. Meilleur nom. Suivant. Pas complètement pourri comme nom, mais il y a franchement mieux, je pense. Mais... du coup. Et du coup, je me posais la question de est-ce que le tableau, on l'envoie au constructeur ou est-ce qu'on fait une fonction set? Parce que d'une certaine manière, tu vois, ce serait cool si on pouvait les recharger, tu vois. Ouais, pas faux. On peut faire les deux, en fait. Hein. On peut
peut le mettre dans constructeur et avoir une fonction set dans Inis du coup. Je passe dans Inis et comme ça. Je sais même pas ce qu'il va faire Inis ça. Que je me disais que Init il allait peut-être charger le premier menu quoi. Parce que du coup s'il fait ça, ça veut dire qu'on peut pas vraiment recharger sûrement le truc à n'importe quel moment. Ouais. Sinon si on est en pleine partie, on va se retrouver sur le menu et puis niquer quoi. Si on le met dans Init, tu lui passes tous les descripteurs du coup. Et après tu mets une méthode set menu avec les nums et puis du coup ça te bloque un peu. Ouais, puis factorise le set dans l'appellera depuis init. Ouais. Du coup, il nous faut un vecteur. Quoique je peux lui envoyer un. Il va venir par vecteur là, vu que c'est. Un statique array de la taille de la page max en fait. T'as un stack buffer qui est en gros l'équivalent de std array. Ah! C'est dans containers? Non, c'est dans dialect. Mais bien sûr. C'est la location. Stack buffer, tu dis? Ouais. Include, c'est juste buffer, je crois. Ah, je veux dire, il est pas dans S. Un peu fou. Je crois que t'en es quoi? Stack buffer. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Une prise. Non, non, c'est juste que je suis pas de focus du coup. D'accord. Parce que je cherchais du coup la définition du stack buffer. La size du coup, c'est la size du buffer, j'imagine. Parfait. C'est le nombre d'éléments quoi, que t'as dedans. Donc on a dit c'est dialect, c'est buffer. Donc ici. Snake case. Ouais, dans NLC, les types sont en snake case. Il y a une norme un peu différente dans NLC. Et après, il y a un deuxième paramètre, c'est le default. Tu dois avoir un premier paramètre que tu appelles, qui est le type d'objet que je dois choper. Qui seront du coup des. Du coup, c'est des optional par contre. C'est peut-être pas foufou de garder des optional. Ouais non, parce que optionnel c'est quand tu charges parce que je pense que tu mets directement des descriptors. Des bases widget descriptors. Ah bah, du coup, par contre, un widget base widget descriptor, c'est polymorphique ça ou pas? Non, pas de je crois pas. Je crois pas hein. Je ne sais plus. Tu connais mieux mon code que moi. Continue containers juste widget base widget c'est ça qu'on cherchait descripteur. Le base widget descripteur normalement il est pas polymorphique, ceux-là ils sont pas polymorphiques. Ok, parfait. Je crois qu'il y a que les components qui sont polymorphiques. Et encore. Si ils sont polymorphiques. Mais les components c'est pas grave. Grave donc non, c'est juste que là du coup si t'avais un truc polymorphique tu peux pas le stocker comme ça dans le tableau, tu peux mettre un pointeur Ah oui parce que du coup le paramètre sera pour le stocker du coup je garde aussi un stack buffer. Ouais. Par contre, tu vas avoir un problème parce que pour le transférer, est-ce qu'avec un même copy, ton truc, ça se passe bien si tu fais un même copy? C'est une bonne question. Pas sûr, qu'est-ce parce que t'as un vecteur dedans, je crois. Ouais, j'ai un vecteur de truc polymorphique en plus. Il faudrait que tu le passes en move. Il supporte les mouvements. Mais pas trop dans.
base Wiziotesk. C'est la classe au-dessus. Ah oui, ça. C'est pour ça. Et lui, il a pas le move, tiens. Ouais. Il faudrait que lui, tu pisses le move, du coup, pour pouvoir le. Pourquoi il a pas de move? J'ai eu la flamme. J'ai dû avoir la flamme. Non, ça avait pas besoin, ouais. Du coup, c'était en base chat. Je peux le move sur la string. Ouais. Les gars. Tous les trucs que t'as là, ouais, ça doit se move. Bah, les vecteurs, tu les copies, mais. Faut que tu fasses NLC move, quand même. Oui. Ça bouge pas. Prendre un screen position, bah, ça en fait, on peut le reconstruire. Putain, c'est copié, ouais. C'est pareil, je me dèche partout. Et du coup, par contre, il y a le component. Là, du coup, il faut le reconstruire. Ouais. Là, tu peux le move, en fait, normalement. Ça marche? Le check, mais normalement, le vecteur, il va te faire un move de chaque truc, chaque élément par un. Ça te... Donc normalement on pourra le move. Yep. Ça te rappelle antiquement de l'opérateur d'assignement par move. Comment? T'auras besoin de l'opérateur d'assignement en move sur le. Sur le base widget? Ouais. C'est ça que tu vas faire. Ça ressemble à quoi le prototype de ce truc? Ça renvoie une référence sur le base widget descriptor. C'est un. Opérateur égal opérateur avec égal. Qui prend un error value et qui renvoie une référence. Et du coup, il renvoie base widget descriptor en référence. Opérateur égal. Et il prend un move. Enfin, une. Un error value 2. Ouais, error value, voilà. J'avais bugué. Sauf que lui, du coup, il faut le. Et du coup, ça envoie quoi? Ça envoie le base widget avec. Ouais, c'est le étoile 10. Tu renvoies étoile 10 en général. Ouais. Comme un gros bourrin, quoi. Yep. Et normalement, ça ferait la même chose que le constructeur. Et du coup, ça ferait la même chose? Ouais, il faut que tu fasses name égale rhs.name. Enfin, nlcmove rhs.name. Etc. Plus vu que c'est un constructeur, on peut pas faire de copier-coller. Non. Ça, on pourrait en fait, si tu peux factoriser en fait, si t'as pas de. Là, c'est genre que t'as un string et vector qui prennent pas de constructeur par défaut. Mais si tous les trucs ont des constructeurs par défaut, tu peux faire pas de l'initialisation et ensuite faire un. List égale NLC move de RHS dans le constructeur pour appeler l'autre. Mais... Ouais, carrément. Ouais. Components. Components. Là, je l'ai raté. Ouais. Ah, bah ouais. Donc, comme ça. Il te manque un RHS, chef. Ah, bah oui, je me disais bien. C'est trop simple. Et il a bien accepté Compilé. Il est sérieux? Ah oui, ça compile, hein. Y'a pas de problème. C'est pour ça que d'habitude. Ah oui, non, mais il move son propre component dans son component. Souvent dans les opérateurs de move, tu fais un if RHS différent de zip. Pour pas te faire des trucs chelous. Genre au tout début ici, là. Ouais. De étoile 10, du coup. Plutôt, du coup, un et pour comparer les pointeurs.
Et RHS, c'est égal, différent 10. Et tu mets tout dedans, en fait, sauf le return. Comme ça, si t'essayes de te move sur toi-même, ça fait rien. Et du coup, t'as pas de problème. Exactement. Donc ça devrait toujours compiler parce que là, on va changer. Donc là, on a tout ce qu'il faut normalement. Ouais. Du coup, on disait que on pourrait contenir du coup les. Les descripteurs. Stats. Max. Bad news. J'ai un doute. Menu desk. Ouais. Je sais. Menu desk. Desk. C'est moche là, ça la fin. Ouais. Je peux pas. Après, on peut être verbeux. Hein. Descriptors. Comme ça, c'est clair. Pour le peu de caractère que ça rajoute. Là, toute la ligne, elle est occupée par le type. Donc ça, c'est bon. Donc on a dit qu'il nous faudrait quand même un 7. Ouais, 7 descriptors. Avec exactement ça. Vraiment cette... ouais. Je sais pas trop l'utilisation, mais peut-être serait intéressant de pouvoir en cette qu'un seul. Ouais, pas tout. Je sais pas trop. Ouais, je sais pas non plus. En vrai, je pense que ce sera à l'usage. Si... Ouais. En fait, faudrait pouvoir discriminer quel menu tu veux reload. Ça. En debug, ça pourrait avoir du sens. Mais... Ouais, pour refaire que celui sur lequel t'es quoi. Ouais, puis après, la question est c'est est-ce que si c'est vraiment long de charger, tu vois. Que au final, si c'est pas long en vrai, tu peux tous les recharger, c'est pas grave. Tout à fait. Surtout si c'est en debug. Donc pour le moment, c'est pas arbre là quoi. Auto menu flow, contrôleur. Dire que je dois inclure ce base widget descriptors là. Et du coup ici je peux directement juste assigner Ah non, là il va falloir que tu boucles et que tu bouges dedans. Ouais, c'est ça, faut que je prenne chacun des trucs juste d'abord inclure mon bordel. Et ouais, il y a un petit piège, c'est qu'avec le stack buffer, c'est comme c'est comme un CDRE, de base il est pas du tout initialisé, ça s'appelle pas de constructeur par défaut ni rien. Donc si tu fais un update sans avoir fait de init, là ça va te faire potentiellement un peu n'importe quoi. Donc ce que je te conseillerais, c'est d'avoir un booléen en debug qui check si t'as déjà fait l'init. Comme ça dans l'update tu vérifies. Normalement c'est if and def and debug. Ouais. Donc ce serait. J'ai le droit de mélanger les initialisations comme ça avec les initialisations de constructeurs. Ouais, bah ouais, complètement. Et bien, très bien. Assert message. Si
façon, c'est pas cher. Qu'on a dit on a dit que c'était dans le LC Dialect. Ouais. Le ndebug, il est dans un include particulier. Il est défini par le compilo. Ouais, c'est le compilo qui concerne. Donc là, normalement, c'est bon. J'ai inclus mon batwidget. Hein. Donc maintenant, ouais, du coup, par contre, on est assuré qu'il a un élément par. Enfin, il a au moins max élément, quoi. Oui, c'est ça. Il y a l'espace mémoire qui est là. Par contre, là, ouais, dans les paramètres, il faut que tu passes en référence. On l'a mis dans le. Ah oui. Prototype. Oui, bien vu. Du coup, là, je peux juste. Itérer entre 0 et max et faire assigner du mouvement. Ouais, tu peux même utiliser le. For each. Le for each, ouais. Il existe. Sur, ouais, vu qu'il y a des itérateurs, il faut plein qui sont définis. Non, c'est un fort, mais c'est avec. Ah oui, c'est un particulier. C'est vrai. Fort. Mais ça va me renvoyer quoi. Bah, on va se mettre à le descriptor. Ça renvoie pas beaucoup d'itérateurs. Ah, d'itérateurs. Justement, l'intérêt de ce fort là, c'est que tu passes pas par les itérateurs. C'est caché. Du coup, dans le menu descripteur. Non, bah non. Ouais, mais si je fais ça, je peux pas aller dans le même endroit de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai. Tout en du coup, il me faut un fort. Ouais, avec un. Ouais. C'est quoi les types déjà Unsigned int. Ah, il y a un truc que tu peux faire. On a une classe qui est une rand. Ah. Donc, si tu l'inclus, tu peux faire fort i, deux points, rand, et tu mets ton indice. T'as pas besoin de faire de déclarer ton int et de faire le plus à la main et tout ça. Dans quoi? Je pense que c'est dans Dialect. Dialect, sûrement. Pas utilisé souvent ça. Range. Je pense là, mais moi je crois que je l'ai jamais utilisé. Oui, il y a un truc range dans Dialect. Et si on va voir les tests normalement. Donc range, tu envoies le type et. Je pense, ouais. Par défaut, c'est quoi le type? Ça doit être. C'est cool. Fait un begin, un end. Oui, c'est ça. Donc, ce qui permet de faire d'avoir le sucre syntaxique. Pardon. Très perdu là. Qu'y a-t-il? Non, mais rien, la musique qui passe, je me souviens qu'elle me cassait les fesses quand j'y jouais au jeu. Ah. Ouais, ça. Ben voilà. D'accord, donc ça s'utilise comme ça en fait. Dans range 0 et page max. C'est ça. Je dis pas de problème. Donc on a dit c'est dans LC Dialect. C'est un itérateur. D'accord, ouais, ok. C'est un peu ça. Oui. Un peu, ça fait une syntaxe un peu la Python. Ça paraît avoir un truc un peu plus simple que de déclarer ton index et de l'incrémenter à la main. Je sais plus où j'en étais. Donc ici, il faut que je prenne la même descriptors. Crochet i. Et bien la NLC move de l'autre crochet i. Ça fait la magie. Ouais. Je me demande.
Si vaut mieux pas que tu prennes en air value aussi de ton paramètre. Pour être sûr que ça soit pas réutilisé derrière. Après. Paramètre. Le buffer. Ouais. Après, ça indique que tu vas le consommer en fait dans ta fonction et que après il sera plus. Enfin, il sera vide quoi. Dans. Ah ouais, c'est plus de sens. Et puis ça change pas l'usage en fait. Non. Non, c'est ça derrière, c'est vrai. Je sais pas si le stack veut faire. Non. J'ai envie de faire ça, mais c'est pas vrai. Move est complètement ticket. Ah bah ça a bien explosé à la gueule ça. Ouais, non, mais là c'est une ref du coup. C'était bien tenté, c'était une bonne idée. C'est dommage. Mais vu que c'est un truc qui est censé être un buffer qui est statique, on garde sur la stack. Pas mal du coup. Pas trop l'usage, ouais. Mais en fait, tu vas move les trucs qui sont dedans, quoi. Donc tu prends une référence et puis. Si on fait un set descriptors. Peut-être que tu. Ah ouais, t'as pas encore de. 40 menus ou un truc comme ça, mais peut-être que tu le set dans le init. J'ai un current contrôleur. Il est là. Tu le récupères comment ça? Par rapport aux descripteurs? Ah, parce que là ils sont pas instanciés là, ok. Ils sont. Ouais, parce que les descripteurs sont. Pour le moment, on les récupère juste okay. Et après, va falloir faire l'instanciation justement de. Et c'est avec l'instanciation que tu récupères le contrôleur du coup? Ouais, c'est ça. Ici, on fait un make menu contrôleur avec. Enfin, en fait, du coup, ouais, non, c'est juste qu'il faut que je fasse les deux en même temps. En fait. Quand je crée l'instance, il faut que je récupère le contrôleur en même temps. Ouais. Fait qu'il faudrait quand même que j'ai une référence sur. Quoique, en fait, on s'en fout parce que. On va juste le dégager du root container et puis il sera dégagé. Pas obligé de garder une référence dessus. Sur le menu instance. Ok. Load menu en fait. Peut-être. Mmh. Le faire dans set menu. Genre tu dis je veux ce menu là maintenant. Et tu vois à ce moment là tu vas le charger. Et puis... Enfin je sais pas. Non, c'est... Plus, ça fait sens. Aito, mais qui se met à parler japonais quoi. Faire japonais dans le code. C'est pas très drôle. Void. Donc, primo. Faudrait clean le tableau de ce machin truc là. Le drone qu'il faudrait que je clean. Attendez une minute, mais j'ai une référence là-dessus, mais je l'ai pas inclus. Ça ne va pas du tout. Je vais avoir de l'inclure dans le header. Pas dans le H. Ouais. Si je vais être obligé. Jet
comment il s'appelle. Container, widget. Pas comme ça. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Du coup, c'est un vecteur. Du coup, il y a un truc pour vider le vecteur. Clear. C'est clear. Est-ce que c'est clear? T'as même un clear release memory si tu veux le désadouer la mémoire. Mais... Ouais, mais vu que je vais le re-remplir derrière, ça n'a pas de sens. Mais c'est bon à savoir. Le vecteur, c'est dans containers ou c'est dans autre ouais. chose? Ensuite, on va pouvoir reprendre allègrement ça. Voilà, du coup, ouais, tu vas le faire à la main, j'imagine. Pour chaque menu, tu auras un constructeur un peu différent. Bah le mec menu contrôleur, là, je sais pas comment je fais. Honnêtement, dans le premier temps, tu peux le laisser comme ça, je pense. Au pire, après, tu feras une factory, un truc que tu enregistreras en mode de code. Bah, je me dis qu'en fait, je pourrais. Ouais, je sais pas comment je pourrais faire. Mais c'est pas très grave, comme tu dis pour le moment. Si déjà on a le truc qui marche comme avant et qu'on peut quitter, ce serait déjà pas mal. Hein. Current controller. Hein. Par contre, ici c'est pas le menu. C'est... Pas d'extract non plus. C'est menu. Menu. Descriptors. Prochain. Page. Mais du coup, va falloir que je static casse parce que les énumes. Ah putain, ouais. C'est enfer. Et du coup, c'est là où il me faut vos types à vous, je crois. Non? Ouais, c'est... oui, je pense qu'il faut que tu un U-Size. Sinon... C'est plus dans quoi c'est ça le truc qui me gêne. C'est Fundamentals, ah. Non? Non, c'est Dialect. Dialect? Quoi? Putain. Arithmetic Types. Je me demande si je peux pas définir en secret, tu vois, en CPP là. Un petit opérateur de conversion implicite de ton énum vers un size. Ah. Comme ça, tu le fais une fois dans ton CPP, en plus ça sort pas, tu vois. Et puis, ouais, après, je sais pas si en fait je le ferai souvent, tu vois. Ouais, faut voir. Du coup, c'est Dialect Arithmetic Types. Je te ressors la syntaxe. Comme ça, c'est... Ah mais ça je pense pas que tu puisses le faire en dehors d'une classe d'un objet. Ah. Regarde, c'est que le CPP référence. Ah, excellent. Je regardais du coup s'il y avait des gens qui faisaient des overloads de casse sur les énumes. Et le mec il fait ça mais pour les tétroïdes, tu sais, de Tetris. C'est rigolo. Ok. C'est incroyable le contrat.
Mais du coup, apparemment, il y a pas de... Tu peux pas vraiment faire ça, en fait. Ouais, pas en dehors d'une struct. Enfin, d'un objet, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il faudrait faire une classe dans une classe pour avoir l'opérateur dessus et... C'est qu'il utilise l'énum sous-jacente de la classe, ce serait un merdier. C'est un peu bizarre parce que tous les autres opérateurs, tu peux les définir, je crois, en fonction libre. Ouais, carrément. Mais après, le cas, c'est peut-être un peu particulier quand même. Ouais. Tristesse. La tristitude. Du coup, j'en étais où? Je sais plus. Il fallait caster en U16, c'était caster en U16. Du coup, dans l'idée, ce serait cool d'avoir la. Une liste de make menu contrôleur, tu vois. Ouais. Ton menu instance là, il faut pas que tu le stockes quelque part. Si, non. Dans ta classe. Non, parce qu'en fait, il est stocké dans le chaldron du root container. Ah oui, d'accord, oui, juste tu le récupères pour le passer au. Ouais, c'est juste pour le passer au contrôleur. Ok. Après, il est plus utilisé. Enfin, on en a plus vraiment besoin et on le dégage en même temps qu'on vide les enfants du root container. Par contre, du coup, là, ton root container, il a pas la bonne syntaxe. Quand tu fais un appel de celui-là, il est en snake case. Oui. Mais ouais, d'accord, okay, j'avais pas vu que c'était un append. Eh oui, c'est toute la feinte, comme ça je garde pas vraiment de référence dessus. Ça va. C'est juste lui qui fait son taf, quoi. C'est presque beau, tu vois. Par contre, il me faut les up-down. Là, peut-être il te manque un assert que page, ce soit la main menu. Enfin, t'as pas trop le choix, mais bon. Le jour où tu vas ajouter un truc dans ton enum. Peut-être un switch sur menu pad. Sur le pad. Pourquoi? Pour le contrôleur? Pour la création du truc. Mais tu vois, tu append. Ah oui, non, attends, j'ai rien dit. Oui, pour le make menu en fait, ouais. C'est juste ça qui, ouais, pour le moment, il y a un peu de debug en fait. Mais... Non, par contre, ce qui est pas con et ce que je dois certes, c'est que. Page est inférieur à. Max, ouais. Une page max. Ça, c'est grave, docteur. Tout à fait. Je vais mettre un message parce que. Oh, le mec, il est généreux en message, quoi. Ouais, c'est. Non, parce qu'après ça crache et puis tu sais pas pourquoi. Ce que tu peux faire du coup là, c'est un. Afficher peut-être la valeur de page. Bah non, parce que du coup ce sera max. Ça peut être plus que max. C'est ouais, alors si c'est plus que max, c'est vraiment la merde. Non, c'est qu'il s'est vraiment passé un truc horrible quoi. Tu peux static cast en menu page 342, tu vois, et puis. Ouais. Là, franchement, tu cherches à casser le code, quoi. Oui. Qu'est-ce que je dis, du coup, c'est... Très mauvais en message d'erreur. Donc ça pour le moment, et en vrai pour le moment celui-là enfin on s'en fout trop, on reste comme ça. Je trouve comment je vais mettre mes mecs menus, enfin mes mecs contrôleurs. Par contre il me faut les inputs et ça c'est chiant. Et du coup je me demande si le contrôleur il est pas responsable des inputs en fait. Très logique en fait, quand t'es sur un écran, t'as un certain set d'input que t'actives et puis. Ouais, c'est ça. En fait, ce serait même le contrôleur qui serait responsable des inputs en fait. Mais en fait, c'est un truc que j'ai toujours pas compris sur les inputs, c'est. Que tu crées un set. Ouais. Ensuite, tu lui enregistres les axes qui vont bien. Et du coup, le set d'input, en fait, il y a que ça que t'actives, tu désactives selon les pages. Ouais. Ah, ouais. Mais quoi qu'il arrive, t'as besoin des up-down ID, en fait. C'est ça qui est chiant. Mais pour récupérer la valeur de ton input, ouais.
coup, enfin, ce truc-là, tu le définis genre possiblement une seule fois, parce que bon, up-down, en vrai, ce sera toujours up-down. Du coup, t'es un peu obligé de l'envoyer à tout le monde. Contrôleur de créer l'input set, de register les bindings hein, qui vont bien et de l'activer quoi. Que du coup si c'est le contrôleur qui s'en occupe, ça veut dire qu'on va les créer en boucle en fait. C'est chaud. Comment en boucle ? Jusqu'à ce que tu crées l'écran quoi. Ouais mais enfin je veux dire tu vois à chaque fois que tu vas changer de page. Il va recréer un set d'input en fait. À moins que t'aies des helpers, dommage, que à chaque niveau de ton contrôleur t'aies des helpers et juste tu te passes après. Faut que tu te passes après les ID et puis. Input set ID. Perplexitude là. Tableau de descriptor, il aurait un tableau d'input d'input set. Ce que je ferais, c'est il l'activerait, désactiverait dans le CPP, enfin dans le contrôleur, mettre un dans une celui-là. Fonction. Ouais. Enfin, non. Dans celui-là ou dans la base contrôleur. Non, mais dans celui-là, dans chaque contrôleur, en fait, t'as une fonction qui initie les inputs et les désinitie. Comme le make menu contrôleur et en interne en statique tu vas garder les ID, ça t'y accès, t'as pas besoin de les repasser par d'autres trucs. Les ID les access ID, bah du coup les access ID plus le input set ID, comme ça dès que tu le crées tu actives ton input set, dès que le menu est détruit tu désactives l'input set. Pourquoi t'as besoin d'une liste avant que bah, comme ça tes variables elles sont stockées dans le CPP du contrôleur et t'as pas à les trimballer, à les passer en paramètres de partout. Si elles sont stockées dans le contrôleur, oui. T'as pas besoin de les trimballer partout. Ou j'ai pas compris un truc. Tu peux les stocker comment dans le contrôleur? Ah, si tu les mets ici. Genre à la place de ce truc là, tu vois, tu mets ton input set ID et ton... Bah là t'es obligé de le passer dans le constructeur du contrôleur et du coup dans le menu flow contrôleur. Tu peux pas le... Ah, il peut pas se créer tout seul. C'est ça. Bref, tu vois, ouais, peut-être que... et left right tu veux les garder donner des inputs qui soient là un peu partout dans l'UI, tu veux un input set pour l'UI et puis tu peux en rajouter des spécifiques si besoin. Compliqué. Parce que si tu le stockes dans le CPP, enfin si tu le stockes en statique en CPP, où est-ce qu'on appellerait le init et des init à la création du programme. Dans le
au début de ton programme, je pense, t'auras un truc peut-être qui va initialiser tous les inputs et du coup qui va entre autres appeler cette fonction là. Du coup ce sera dans le base contrôleur en fait. Ce sera pas dans le menu contrôleur. La fonction. Bah ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux des inputs spécifiques à chaque contrôleur, tu mets dans chaque contrôleur. C'est des inputs spécifiques. Ouais. Ça ne sortait pas de toi. Parce que j'ai vraiment pas envie de passer les inputs au flow controller, ça a aucun sens. Ouais. Du coup, on va peut-être faire le truc que tu disais dans le CPP. Allez. Du coup, tu disais de les mettre ici en statique, en fait. Ouais. Du coup, il me faut les trois, en fait. Enfin, il me faut l'input set et le... Au moins le up-down, en tout cas. Je crois que t'avais que le up-down, ouais, que t'avais dans ta classe. Là, tu vois, celui que tu classes dans ta classe, ouais, t'as que le up-down. Du coup, je peux pas l'initialiser là, quoi. Ça la feinte. Il mettra un valide ici, et puis... Du coup, là. Non, il sera pas juste. Et du coup après il faut des fonctions statiques pour le init input, c'est ça? Ouais. Parfait. Change le nom de input set. En plus, ça s'appelle test, quoi. C'est ça. Je les expose, du coup. C'est la même chose que ça en fait. Ouais. Ah. Faut passer comme prévu. Là, je fais du mélange de snapcase et escapecase. Thank you.
Et y a des trucs à release. Je crois que l'input fait, toi, il faut le détruire. Ah bon. Tu l'as pas fait. J'ai jamais fait. Ah bravo. Comment on fait ça? Attends, j'ai rien vu. Mais l'endroit où t'as le create input set, tu dois avoir ce qu'il faut. Dans quoi déjà, ça, je sais pas. Win input, c'est ça. Attends, on destroy input set. Mais après, t'es pas obligé de unregister avant. Si. Pardon. Genre, tu peux laisser les registers en place et juste destroy le set, non? Les axes, je ne sais pas. Je... Pour les access input, il y a peut-être pas de besoin de les détruire. Faut que je regarde dans access input. S'il y a un register access. Alors il y a un register. Presque c'est dramatique. On ne saura jamais. Bah ça libère la mémoire qui a été utilisée pour ça. Et... Dans tous les cas, bon, on va le faire en vrai, par principe de propreté et de symétrie. Dans tous les cas, quand ton programme il se ferme, ça va la libérer, tu vois. Mais... C'est. Ouais. Mais c'est... parce que la mémoire allouée, elle est allouée sur l'input set. Pas que, je pense. Pas que ? Je pensais que c'était que ça. Non, il y a. Il y a un pointeur là-dedans. Oh. De la mémoire dynamique. Non, accessible. En effet, ouais. Bon, on va le faire, c'est pas bien grave. Par contre, je vais pas pouvoir avoir plusieurs updown ID qui traînent en même temps, si. Ah si, ils sont dans un namespace anonyme, ça passe. Ouais, c'est ça, pas de problème si c'est dans un namespace. Donc ça c'est bon, donc maintenant faut les appeler dans... Voilà. Ça par contre, je peux le laisser ici, après, pas de raison de le changer. Ça c'est mieux. Si on va mettre le set, c'était quoi le jeu avec le set quoi. Faire un défaire peut-être. Ah oui, je dis toujours ça. C'est bien. Un point virgule à la fin. Après la colonne. Du coup ça se dégage aussi, j'avais pas vu. Quand est-ce que je l'active au mec? Je dirais dans le constructeur, et tu le désactives dans le destructeur. Ça t'a non, je sais pas, parce que le constructeur il est dans le point H. Bah tu le définis dans le point CPP. Et bah tu le mets dans le CPP, il t'en vient pas le monde. Exactement. Ça fait sens, on va faire ça. On va arrêter la flemme un peu. Il va te manquer quelques includes aussi. Ouais, je me suis dit qu'il fallait que je rajoute les includes. On va déjà finir ça un peu.
c'est le processing pour nous. Celle-là. C'est quoi cette... Je l'ai supprimé, je vais pas regarder. Une set active. Une toute set active. Cette active la majuscule du coup. Non, non. C'était une case. Comment je l'appelle déjà? On a du 7. J'y étais presque. Faut que tu mettes un trou derrière. Faut que tu peux aussi faire un trou. Oui. C'est comme ça qu'on désactive du coup. Ah oui, j'ai pas mis le... Ouais. Je me suis dit, putain, c'est bizarre, c'est pas comme au-dessus. J'ai besoin de commentaires pour dissocier les trucs parce que c'est déjà compliqué là. Alors, on a dit qu'il y avait besoin d'input. D'input. D'include d'input. Pas mal. Yep. Donc maintenant j'ai plus besoin de lui envoyer le access input. Ça serait pas... Ça serait vraiment cool, putain. Et de le stocker en membre. En plus, voilà. Donc, tant de gain. Un include ici même. Ah ouais. Les includes. Qui dirait des includes dans un programme, c'est toujours satisfaisant. Fait plaisir. Du coup, ouais, lui il avait peut-être aussi en paramètre là le make. C'est bien ça, putain. Ah ouais. C'était vraiment le ghetto de passer cette heure que j'ai mis partout. Par contre, du coup, ça veut dire que chaque contrôleur devra définir son machin, tout ça. Ouais. Bah après, si t'as des trucs en commun, tu peux les mettre dans le base contrôleur. Ouais, 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 voilà. Ce qui va probablement arriver, parce qu'un up-down, à un moment, c'est un up-down, quoi. C'est ça. Tu risques d'avoir un input set commun à l'UI. Qui après, potentiellement, des trucs spécifiques. Ouais, du coup, je sais pas comment ça se passe. Parce que quand tu get un ID... Ouais, non, tu get un ID, t'es pas sur un input set particulier, donc... C'est ouais. Ça. Il faut que tu viennes la ligne 94. Ouais, donc, et ici c'est plus comme ça dans ID. Stylé de ouf. Maintenant j'ai encore le make menu ici, oui. Donc ça dégage. J'ai dit de sauvegarder. Ici, ça dégage aussi. C'est satisfaisant quand même. C'est... Ça fait du ménage. Nettoyage. Est-ce que ça compile toujours? Franchement, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Main menu contrôleur CPP1. Alors.
ID. J'ai pas tout compris. Ah, ici, il me disait que... Attends. Instant session... Je... T'as pas sauvegardé un truc. Oh, tout est sauvegardé là. Ligne 22 dans le CPP, on va commencer par là déjà. Je pense qu'il veut pas le construire comme ça. Pourquoi ? Il doit pas avoir default constructeur. T'as pas l'ordre de default value, faut que tu le construises en mettant access ID 2.2.1 invalid. Ah, ça existe ? Ouais. Ah, mais c'est, d'accord. C'est dommage qu'il ait pas mis de default value. En fait, dans les ID de NLC Meta. Axis ID valide. Ouais, en minus, je pense. Et c'est une fonction. Ah. Fonction statique qui trompe le truc. Ouais. C'est dans Axis Input ou. Enfin, t'as un point H du coup pour voir ça se passe. Donc, include input Axis. En fait, dedans, t'as la définition de l'ID. Et après, faut que t'ailles dans LC Meta. Voilà, invalide. Tu vois, dans le access ID simple, défini, il y a juste la valid value qui est définie. Il doit falloir définir le défaut aussi. Quand tu vas dans LCMeta ID, en fait, après, il génère les fonctions. D'accord, ok. Donc là, il devrait plus m'embêter. Ouais, potentiellement pour l'input set, ça va être pareil. Ouais, ouais, c'est un. Et c'est la même fonction du coup Ouais. Bah oui, bien sûr. C'est une input set du coup, j'imagine. Ouais. Et du coup, c'est ce que c'est un type particulier l'ID là en fait. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un wrapper d'ID qu'il y a dans NLC Meta. Ouais. Qui permet automatiquement, tu lui donnes la définition, tu lui donnes le type. Sous-jacent, the int, tu peux lui donner une valeur invalide mais c'est optionnel et une valeur de par défaut mais c'est optionnel. Et à partir de ça, ça te fait un ID fortement typé. Tu peux avoir la méthode isValid constructeur par défaut. Isvalid, invalid, machin, compagnie. C'est ça. Ouais, c'est chambé ça. C'est pas mal, ouais. Qu'est-ce qu'il me dit ? Définition. Alors t'as un copy constructeur quelque part. Dans la base quand tu crées un optionnel tu as dit dans 82 je pense il n'y a pas un truc qui est en const parce que tout à l'heure ça marchait allocator start with diat et exit with diat ils sont bien pas const. Ouais, ils sont pas const normalement. Ils sont ici. Non, ça c'est les textes. Des optional base widget. Ok. Donc, non, il y a pas de raison. Ou alors ça renvoie un optional. Peut-être ça qu'il aime pas. Ça renvoie un optional et. Il a besoin du compil constructeur en fait. Ouais, je pense qu'il faut que tu. Et pourquoi ça pétait pas avant ? C'est bizarre, mais. Parce que j'avais pas de destructeur avant, c'est peut-être ça. C'était le default constructeur, donc peut-être que ça l'emmerdait pas. Ah oui, définition, enfin plus de constructeur. Ah oui. Du coup, je pense que si tu renvoies un LC optional de mon truc, je pense. Tu vois, si tu renvoies 100 mètres de type, donc tu mets un LC optional de main menu controller, ça ira. Je pense qu'au final, un constructeur, tu sais, qui prend. Les arguments de ta classe et le truc dedans. C'est pas trop mal foutu. NLC optional. Juste un NLC optional. NLC optional templété avec ton main menu contrôleur. Comme ça quoi. Ouais.
Et il va forward les arguments. Normalement, ouais, il forward des trucs. Yes. Ouais, voilà. Et ça marche. Est-ce que par contre, les inputs ils marchent encore? Faut tester quand même, parce qu'on a un peu tout niqué sur les inputs, donc ce serait dommage que ça marche pas. C'est vrai. Et après, on va dire oui, c'est la faute du flow controller. En même temps, là, tu vas pas avoir d'affichage. Ça explose. Ah, mais voilà. T'as pas la call stack quand ça pète? Bah oui, t'as pas de debugger. Ah oui, non, j'ai pas de debugger. Ouais. C'est intéressant. Je crois que c'est ça qui... Non, non, c'est pas ça. Mais parce que là, ton menu, tu l'as plus instancié. Ah, et que le flow controller, là, le flow controller, tu l'as pas instancié. Ouais, mais il y a encore l'ancien. Ah oui, ok, je crois que tu l'avais dégagé. Non, pas encore. Normalement... C'est quoi pour print, déjà? Print. Pour la peine. Le debug à l'ancienne. Ah, OpenGL. C'est plus tard. Tu devrais... C'est plus tard, c'est peut-être pendant le mec. Si contrôleur, ouais, si ton contrôleur est bon. Tu peux mettre un boolean, genre imprimer un truc si ça marche pas. Peut-être. Si contrôleur il est nul. On peut directement mettre un truc derrière. Ouais, tout à fait. Genre contrôleur. C'est quoi pour sur les optionnels? Il y a un truc genre S-value ou quoi? Égal Nelson nul. Donc ça marche, je me dis. Est-ce qu'il va te mettre 0 ou 1 du coup? Ouais, ça on comprendra. Tu parles de bit. Moi je pense qu'il va péter avant le PTDR. Ou le PTDR, je sais plus ce que j'aime. Ah non. Ah ouais, ça met trou carrément. C'est beau ça. Tu vois, donc là c'est bon. Donc il est là en fait. Il est là. C'est peut-être dans par le... contre, ça doit péter du coup dans le process input. Ouais. Peut-être dans le input get value. Je suspecte que ça se passe là. On va dire à cela parce que bon. Après, on sait plus où on est. Quoi. Ouais, carrément. C'est passé. Mais c'est rien passé. Mais c'est que ça marche alors. C'est-à-dire qu'il pète du coup avant le processing. C'est peut-être du optionnel. Ça c'est le input update qui merde. Possible. Fais les inputs et tout ça. De quoi? Fais voir. Fais ça. Puis après de l'autre côté, il y a. Ça, tu l'as bien appelé ce truc-là? Il y a appelé ici. Juste en dessous des inputs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vais même laisser les inputs avec les inputs. Quoi. Je veux dire. Incroyable. C'est marrant ça quand même. Ça va péter. Alors, quelle heure il se fait là? 20h07. 20h07. C'est mort. Là, on me dit qu'il va jusqu'au process. Mais... C'est pas le process input. Ah non, vas-y. Mais. Bah, si, parce que le premier, il doit. Tu dois rentrer dans le return.
Bah ouais, c'est pour ça. Donc c'est peut-être après. Fait le render. Est-ce que t'as bien. T'as toujours le truc qui met dans la route ton. Menu. Ouais, je te montre ça tout de suite après. Gel, j'ai ça. Le bon gel. Tu vois ici, ça met le. La fille. De toute façon, ça doit pas cracher si le. Il y a rien. Le container est vide, il affichera juste rien en fait. Ça sent... Après ça c'est... ça devrait tu vois. Poète, okay. Poète 2. Donc là on est en train de me dire qu'il fait bien poète 2. Contrôleur on sait qu'il est. Mais attends une seconde. Ah bah attends. Le contrôleur il nous disait qu'il était égal. Il était nul en fait. Bah oui. Il disait trop mais peut-être c'était attends, égal. Attendez une minute mais. On est juste débile. Tu printes pour aller où c'est que ça renvoie nul. De toute façon y'a pas 50 trucs, c'est soit il a pas de start widget, soit il a pas de. Ça doit être c'est une dev qui est cassée. Attends, il est bien là, il est bien start menu, enfin start button, c'est plutôt. Mais des print. Tout là, je suis pas au bon endroit. Donc on veut virer les print qui servent à rien. Parce que j'ai bien compris que vous étiez nul. Ah donc. On va mettre des différents maintenant parce que c'est on va voir si c'était chaud. Ça marche ça, on est d'accord. Ouais. On peut conquérir comme ça. Et après t'as les composants. Ah mais t'as des asserts. Ah j'ai carrément des asserts donc il devrait faire un chien dans la colle. T'as pas d'autres plus loin, t'as pas d'autres returns. Prends return l'optional. En vrai c'est le seul truc qui a changé. C'est vrai. Je suis suspicious behavior là. Passer sur le print là j'ai recompilé hein, dis-moi j'ai pas suivi je suis en train de regarder du coup d'optional j'ai pas recompilé parce que ça compile pas c'est NLC print monsieur oui bah, bien sûr forcément bon au moins du coup ça explique pourquoi il y avait rien qui avait changé d'une manière c'est rassurant d'une autre bon si je pouvais être moins débile ça m'arrangerait aussi. Ah ben non. Attends, est-ce que j'ai encore fait la même connerie? Ouais, j'ai encore fait la même connerie. Non mais ça va, ça met pas long à relancer de toute façon. Oh. Bah... Les deux ils sont pas bons, si tu veux. C'est la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas une erreur sur le base widget passe. Ce que j'ai regardé. Une instance. Surtout qu'en plus, genre, c'est. Voilà. Comment dire. La data a pas changé, genre, comment on peut m'expliquer ce qui s'est passé là. Non. C'est un non.
Y'a un truc genre menu, budget, ouais, component point size ou un truc comme ça. Ouais. Ah, c'est marrant ça. Incendie. Le menu il a pas changé. Ou sinon fais un git gui hein, et puis regarde ce qui, s'il y a des trucs qui ont changé de manière étrange. Si on a changé que ça. Ici rien de surprenant. Okay. Ah, tu vois, on a juste changé le constructeur, ajouté un assert et mis un commentaire. Ouais. Ça me sidère. Surtout que ça marchait juste avant. Côté sûr de ça. Bah, on l'avait lancé. Non, j'avais lancé que des compiles. Je vais faire des modifs de data. Peut-être essayer de commit ça dans un truc et puis le revert et voir si, si ça vient de ce code là ou pas. Le cul. Je vais changer ça. Contenu source. Non, c'est un CRC. Tout, je l'ai mis. T'en es où? Qu'est-ce que tu as pu faire? Parce que là, c'est pas très intéressant ce qui se passe. Non, c'est décédé. T'as faim? C'était quoi ça? Il y a Pixel qui a pété un câble.
croyais que c'était quelqu'un qui a crié d'un coup. Là, tu vois, il a l'air de bien l'odeur. Il y a bien un container avec trois components, enfin trois widgets. C'est pas à cause du move constructeur qu'on a rajouté. On avait rajouté un truc. Le move dans le base widget. Ouais. Genre à un moment tu move le truc et après tu récupères une référence sur le truc qui a été move et du coup il y a plus rien dedans. Non, possible. Parce qu'avant tu vois le. Ouais non, le copine. On peut essayer en vrai de le virer parce qu'on l'utilise pas encore donc. Une fois que t'as fait le move, ton vecteur est toujours valide mais il y a juste rien quoi. Il est juste vide. Ouais et comme par hasard du coup on aura une save de 0. Ouais. C'est ouf hein. C'est juste 100 parce qu'on en a pas encore besoin donc ça tombe bien. Ouais. Ça sent que c'est ça. C'est vrai que j'avais oublié cette partie. Ouais, c'est carrément ça. Ouais, ok. Donc faut regarder à l'endroit où tu le moves. Enfin, où il y a un move qui se passe et tu gardes un truc qui traîne sur l'ancien. Alors, je sais pas. Ces trucs-là sont faits pour l'instant-ci. De toute façon, ça. Ça, c'est que des instanciers. Donc, normalement, il n'y a pas de move là-dedans. Les findiff et tout ça, ils risquent pas de faire des bouffes. Non, non. Donc ça me semble un peu. Sans, c'est avant ça, puisque là, tu es déjà à 0. C'est pas le. Là, si tu fais append, c'est append. Quoi? Create instance, ça te renvoie un. Create instance, ça renvoie normalement. C'est une question. C'est vrai. Ça renvoie un base widget. C'est pas ça. Ça renvoie, enfin, c'est pas une référence ou quoi donc. C'est pas un buzz widget descriptor. C'est où que t'as les buzz widget descriptor? Enfin, ils sont stockés comment? C'est dans le load? Ouais. En gros, c'est le load menu. Il doit pas être loin. Mais. Ah, il est pas là. C'est main menu load. Ça renvoie un optional descriptor. L'optional, j'en fais un extract. Du coup, route menu, qu'est-ce qui se passe avec route menu? Si on l'extracte, on crée une instance. Ce serait pas là ou. T'as besoin de faire un extract a priori, ouais. J'ai pas besoin sur un optional? Bah non, tu peux juste faire un flèche dessus et créer ton instance. Extract, c'est si tu veux récupérer la valeur pour le move dans un truc particulier, mais là, vu que tu fais une opération dessus. Alors est-ce que c'est ça? On sait pas. Désolé, je vais faire les prints en passant. Ouais. Que... V'là la pollution de l'air quoi. Hop. On va tester hein, si c'est ça. Il faut pas d'extract du coup. C'est uniquement quand tu veux. Ouais, en fait quand t'accèdes à l'objet à l'intérieur, t'as pas besoin de l'extract. C'est ça. Ah, c'était carrément ça. Parce que je suis un gitan, voilà. Du coup, j'essaye de comprendre. Du coup, l'extract, c'est pas le move en fait, non? Bah, en fait, ça doit faire un move. Et après, l'objet, il est jeté. Et toi, tu fais create instance sur rien, en fait. Sur ce qui reste. C'est bizarre. Qui est bizarre, parce que si je l'extracte, je veux récupérer l'objet move, pas le... la coquille. Ouais. C'est vrai que du coup, j'ai un. Ouais, il y a peut-être un truc chelou dans l'extract qui se fait. Mais c'est bizarre parce qu'en plus, je crois que j'en ai déjà utilisé des extracts où ça se passe bien. Ouais, mais t'as dû l'utiliser pas comme ça, je pense, mais c'est bizarre. Non, là. C'était pas utilisé comme ça. Ouais. Bah, je l'avais récupéré dans une variable, c'est peut-être ça la différence, tu vois. Ouais. Parce que du coup, récupérer dans une variable, peut-être qu'il te le met bien comme il faut, mais quand tu y accèdes directement en rvalue, il pète peut-être un câble. Possible. Mais au moins, ça remarche. Donc on arrêtera d'accuser le flow controller qui n'existe pas encore. Exactement. Il a rien fait de mal. Ah, l'extract. Ah. Donc l'extract move la valeur.
dans une variable temporaire pour renvoyer la. C'est ça, après il fait une copie. Ah, mais après je fais un get. Parce qu'en fait je fais le extract, ok. Mais après, si ça se trouve, le create instance se faisait quand même sur l'optional, non? Bah non, parce que du coup, c'est tu fais possible. Extract point machin, donc c'est la valeur qui est copiée. Ça renvoie le sur place, et create instance, mais. Value type, ouais, c'est le template, donc il n'y a pas de raison que ce soit autre chose que le widget descriptor. Bah ouais, je comprends pas là ce qui s'est passé. Je suis circonspect. T'as rajouté du coup le constructeur par Je vais le remettre. Non, il est pas. Non, mais ça devrait fonctionner avec maintenant. Oui, c'est vrai que. C'est vrai que c'était ça le problème. Tout est bon. La prochaine fois, on pourra du coup vraiment utiliser le flow controller, je crois. Ça va bien. Ouais, c'est ça. Nors, il est décédé ? Non, non, c'est que j'étais en train de vérifier certains trucs que j'avais écrit avant, voir si jamais il n'y avait pas des coquilles dans son système. Je revoyais un peu tout, même le nom de certaines capacités, voir si jamais j'en ai pas collé la même à certains. Mm-hmm. Pour pas qu'il y ait un bordel du genre, mais attends, mais ça fait pas du tout la même bordel, mais ça plaît exactement pareil, tu vois. Ou à l'inversement, des capacités qui se ressemblent vachement et qui n'ont pas le même nom, alors qu'en fait ils font exactement la même chose. Donc j'ai un peu con. Moulon. Ok. Je pense qu'on peut s'arrêter là, on s'arrête sur une petite boire de canard. Très très bien, bon. Du coup je dis à quelqu'un qui est là ou je suis toujours en solo? Non je dis, je suis là. D'accord. Je suis prête là aussi. Ok, enfin, bah très bien. J'y pense, c'est la semaine du 16, le néant intersidéral. Ah oui, je serai pas là. La semaine du 16, ah oui. Bon, c'est pas la semaine suivante, c'est l'autre. Ouais, c'est ça, dans deux semaines. Oui. Wow, c'est les vacances, hein. C'est les vacances. Bah d'ailleurs, c'est nous, ça. On risque de pas être là non plus. Enfin, après avoir, on s'est pas encore décidé, mais... Très probablement, il y aura personne, quoi. Ouais, il y aura son père. On laissera les clés du stream à quelqu'un qu'on connaît pas, puis on verra ce qu'il fait. Ouais. On revient, il y a déjà 500 abos et tout. Ils font, bah, vous voyez les gars, c'était pas compliqué. Ouais, on va te faire foutre. Orage au désespoir. Orage au grand désespoir. Salsifie ! Bon. La guerre n'est qu'illusion. La guerre n'est que salsifie. Bon, ah, sur ce. Passez une agréable soirée, tous et toutes. Oui, tout à fait. Bonne soirée à vous. Une très bonne soirée. Et à jeudi. À jeudi. Tchou tchou. Ciao.